Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette petite vidéo explicative consacrée au financement participatif qu'on a mis en place avec Tudigo. Donc pour commencer, je vais vous faire un petit récap sur notre situation. Donc on est deux dans ce projet, donc moi Émilie et mon papa Denis. Donc depuis l'hiver 2015-2016, il a pensé, il a créé et il a fait entièrement à la main les premiers modèles de sacs. Donc c'est là, cet été 2019, que officiellement on a créé Chanvrel, notre marque. Donc c'est une gamme de sacs à base de chanvre et de cuir, comme vous pouvez voir juste ici. Donc ces sacs sont artisanaux, sont faits à la main dans notre atelier. Donc si je devais nous décrire en quelques mots, je dirais que c'est naturel, made in France, durable, éco-responsable, et on a même certains modèles vegan. Donc auparavant, basé dans le Morvan, nous voulions ouvrir notre concept magasin atelier, donc au centre-ville de Tain, en vendant premièrement nos sacs à main, donc en allant du plus petit porte-monnaie au petit sac comme celui-ci, trousse, jusqu'au plus gros sac comme celui-ci ou les sacs de voyage, mais aussi tous les autres dérivés du chanvre, comme par exemple du cosmétique, cosmétique, déco, literie, mode, bien-être et tout autre. Donc on veut faire une partie magasin en vendant nos produits et ceux des autres marques, mais aussi notre atelier de fabrication. Donc vous pouvez voir directement les sacs prendre forme au magasin, à l'atelier. Donc grâce à ça, on va faire aussi du personnalisable. Donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité de prendre une option. Par exemple, le choix de la couleur du cuir, le type de chanvre, la couleur du chanvre, la couleur des fermetures éclair. Ici vous en avez une marron, ici une beige par exemple. Rajouter des poches, graver son nom sur le cuir, personnaliser ses petits bijoux. Vous pouvez aussi trouver ça, par exemple, la personnalisation des bracelets, c'est une des contreparties que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Mais tout est dans la limite du raisonnable et au niveau de la disponibilité. Eh bien, je pense que j'en ai fini pour la présentation de Chanvrel. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le financement participatif avec Tudigo. Donc c'est surtout lors du concours Mon Centre-Ville a un incroyable commerce qu'on a participé à Autun, où on a remporté trois prix, et oui, trois prix, dont le suivi avec la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Et étant donné que la plateforme ouvre une nouvelle antenne dans le 71, on a proposé de participer afin de nous aider pour l'ouverture. Donc il s'agit là d'un financement en don contre don, d'une durée de 45 jours. En gros, ce n'est pas un don libre, mais vous donnez quelques euros et nous, on vous donne quelque chose en contrepartie. C'est plutôt pas mal, je trouve. Donc du coup, pour nous, nous avons 7 contreparties, donc allant de 5 euros à 700 euros. C'est ouvert aux particuliers comme aux professionnels, entreprises, autres. Tout le monde peut participer. Selon votre don, vous pouvez recevoir un porte-monnaie en chanvre, un porte-monnaie en cuir gravé, comme celui-ci par exemple. Vous avez également donc un bracelet personnalisable, vous avez un certain nombre de caractères pour pouvoir mettre le mot que vous avez choisi, un petit sac chanvré de notre gamme, ou encore un stage pour apprendre à coudre soi-même sa ceinture en cuir. Donc ces différentes contreparties vont nous permettre d'atteindre nos deux paliers, donc le premier de 1750 euros et le deuxième de 3500 euros. Donc cet argent, il nous servira avant, pendant et après l'ouverture du magasin atelier. C'est vrai qu'on aimerait fabriquer plus et plus vite, mais on n'a que quatre mains, les deux miennes et les deux de mon papa, et une seule machine. Donc c'est pourquoi on pourrait acheter une deuxième machine à coudre professionnelle à triple entraînement, qui est capable de traverser plusieurs couches de cuir et de chanvre en même temps. Et même si on arrive à atteindre le deuxième palier ou encore plus, ce sera encore mieux puisque du coup nous pourrions faire appel à une couturière qui travaille comme nous, augmenter notre capacité de production. On pourrait également avoir plus de sacs, plus de temps et vous proposer plus de personnalisation et plus de stages, donc plus de tout quoi. Mais quoi qu'il arrive, si on n'arrive pas à atteindre le premier palier, ne vous inquiétez pas, vous serez remboursé en intégralité. On est quand même très content d'avoir participé et surtout de votre participation. Donc pourquoi nous aider? Aider notre projet, c'est aussi aider l'artisanat français, le Made in France, le développement des filières locales et la filière du chanvre. C'est naturel, c'est bien fait, c'est durable. Donc j'ai confiance en vous, on a confiance en vous et à votre pouvoir sur ce projet. Ce coup de main, c'est aussi grâce à vous, votre intérêt, votre participation, vos partages et vos likes. Donc tout ce que vous faites, c'est un petit geste, mais au final, un très gros pour nous. Alors c'est parti, on se donne à fond, on a la patate, le smile, on va tout déchirer. Famille, amis, clients, voisins, qui que vous soyez, c'est déjà un grand merci pour toute votre participation et d'avoir réussi à regarder cette vidéo en entier jusqu'au bout.
et de m'avoir supporté aussi pendant ces petites minutes. Donc surtout, merci pour tout ce que vous ferez. Merci, merci, merci. Je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre, de vous abonner à notre page Facebook, mais aussi Instagram pour suivre toute l'actualité, toutes nos infos.